assis dans un bar où le gaz d'un petit appareil qui tente de réchauffer les gens me chatouille le nez. Je lève le doigt. Café, s'il vous plaît. Un homme accoudé au bar a écouté la pub, boit son verre de blanc, lentement, comme s'il n'avait rien d'autre à faire aujourd'hui. Un autre homme dans la salle boit aussi un verre de blanc. J'ai vu en passant à côté de lui qu'il avait un cubi de blanc. Sans doute pour chez lui, en rentrant. Le patron discrètement se sert un whisky comme s'il le faisait tous les jours. On entend le verre qui se pose lentement sur le comptoir. Et ça recommence. Blanc, blanc, whisky, la même chose. Qu'est-ce qu'on boit? Je relève le doigt. Café, s'il vous plaît. Une jolie femme est au bar et participe à une discussion sur des chiens qui ronflent sur le carrelage. Elle a une voix de je sais pas quoi qui rappellerait une dame qui était belle avant, mais qui a vieilli, sa voix aussi, plus vite qu'elle, aigrie, et c'est dommage. J'aime plus les chiens, avant oui, mais maintenant non. Et en plus, voir des chiens vraiment vieux, avec plus qu'un œil et des poils démesurés, non. Avant oui, mais maintenant non. Avant oui, mais maintenant non. La pub, les clopes, les chiens, le gaz. Le café ont fumé, les entrées et les sorties de ces gens font de cet endroit un lieu de vie comme une scène de théâtre. Les gens jouent à se séduire en parlant de chiens ou de vin. Bah tiens, si c'est pas joli ça. Ce café n'est pas très bon, mais bon, bien sucré, ça réchauffe. J'ai les pieds gelés, forcément ça chauffe mal ce truc de chauffage. Va falloir que je reprenne encore un café par politesse, ça fait longtemps que je suis arrivé. Et je relève le doigt. Café, s'il vous plaît. Je me sens l'écart de ces gens qui parlent de chiens. Je me sens pas chanteur de café non plus. Accordéon, vin rouge et Marcel transpirant, c'est dommage. J'aimerais bien, j'aime voir ça. Voir cette vie de comptoir, t'as toujours l'impression d'avoir chaud. Enfin presque. Il y a quelque chose de tendre et de doux finalement. Même avec les chiens. Je ne serais pas si bien sûrement sans eux. Enfin, les gens, je veux dire. Un café vide le matin est triste comme un resto vide le soir. C'est ce qu'on dit. C'est tout, pour prendre un blanc quand même. Je relève le doigt. Café, s'il vous plaît. C'est dommage de n'avoir aucune histoire de chien à leur raconter sous la dent. Je me retrouve à rien dire à personne et à regarder ce minuscule bazar qui me fascine. Ça m'énerve qu'ils partent d'entre eux, ils ont de la chance. Pas d'avoir des chiens, non, ça non. Mais d'avoir des trucs à se dire, oui, ça oui. Ça y est. Y'a un chien qui se lève, il fouette le bar avec sa queue. A tous les coups, il va venir là, c'est sûr. C'est énervant, les petits chiens qui clignotent des yeux et qui lèchent le jean en attendant un sucre. Et que je t'en remettrai, et que je t'en remettrai. Je me lève, je paie, j'ouvre la porte, en un mot, je pars. Je sors et je me retrouve dehors, je tombe sur David. Salut David, comment ça va? Mal. On prend un café? Ouais. Café, s'il vous plaît. Faut que je te raconte. Mon chien est mort. Et alors ?